Alors donc le général Boulanger finit tragiquement sa vie, hein, puisque je vous ai dit, il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Donc cela a mis fin, entre guillemets, à cette situation. La République a réussi à redresser cette situation, mais ça va un peu rabattre les cartes, pardon, dans le paysage politique. Et l'extrême droite nationaliste va se faire entendre de plus en plus. Et elle va profiter d'ailleurs d'un événement qui va arriver très prochainement, après le suicide du général Boulanger, pour gagner encore davantage des voix. Et juste pour en finir avec le général Boulanger, hein, mais je crois que vous en avez parlé lors d'une visioconférence avec vous, Georges Clemenceau, qui était l'un des personnages politiques les plus éminents de notre histoire contemporaine, peut-être avec le général de Gaulle, et qui a laissé à la postérité un très grand nombre de citations célèbres, hein. On avait une justement particulièrement piquante à propos du général Boulanger. Hein. On parle d'épitaphe parce qu'il a laissé un peu cette situation après ça, cette citation pardon, après le suicide de celui-ci. Et il avait dit du général Boulanger, il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant. Donc le fait de dire cela, c'est un peu disqualifier le général Boulanger qui, comme son titre l'indique, était un général. Or, Georges Clemenceau estimait qu'il se comportait plutôt comme un sous-lieutenant, c'est-à-dire un jeune officier débutant, pas très expérimenté, et que donc il avait en fait les épaules pas du tout assez solides pour pouvoir occuper le poste que certains, notamment dans les milieux de droite, voulaient le voir endosser, c'est-à-dire le héros un peu de la droite nationaliste qui aurait peut-être rétabli la monarchie ou du moins un pouvoir extrêmement fort nationaliste en France. Donc voilà pour ce qu'il en est en tout cas de l'épisode du général Boulanger, du boulangisme. Mais cette droite nationaliste va continuer de progresser, ce que nous verrons dans un grand B. Alors, comme il est marqué, comme je l'avais dit dans le cours, hein, il est important de distinguer deux choses, hein. Le mot patriotisme, le patriotisme des républicains, il est fondé sur une notion politique de la nation. Le fait qu'on partage une histoire commune, des valeurs communes, notamment qui sont l'héritage de la Révolution française, on appartient à la même patrie. On a un passé historique en commun, on a vécu des événements forts en commun, donc on a ce sentiment patriotique. On est fier de la patrie française. Par contre, le nationalisme, surtout le nationalisme tel qu'il tend à se définir à la fin du 19e siècle, ce nationalisme d'extrême droite, il est fondé plutôt sur une définition biologique de la race. C'est-à-dire un peu toujours celle qu'on a aujourd'hui hein, dans les milieux d'extrême droite, c'est-à-dire l'idée que le fait d'être français, c'est le fait d'appartenir à une race qui se définit donc par opposition avec ceux qui sont les étrangers de cette race. Hein. C'est toujours le cas aujourd'hui, je vous dis, au XXIe siècle. Hein, vous savez, ceux qui se qualifient de français de souche par opposition à tous les Français issus de l'immigration. Même si on sait que dans les faits, énormément de Français sont issus de l'immigration. Et qu'est-ce qu'un Français de souche? Est-ce qu'un ça veut dire avoir des origines de plus de 1000 ans, 1500 ans, 500 ans, 200 ans, 150 ans? Il faut donner une définition. Donc en tout cas, ce nationalisme fondé sur une définition biologique et raciste, en quelque sorte, de la nation, il est exclusif, hein, il exclut ceux qui y sont étrangers et il exclut aussi ceux qui sont pourtant français depuis même très longtemps, mais qui sont issus d'une religion différente et par là même considérés comme étant d'une race différente, c'est-à-dire les juifs. Et ce nationalisme d'extrême droite va pouvoir se révéler en force et montrer toute la puissance de son courant à l'occasion d'une affaire qui va agiter la France pendant une douzaine d'années, qui va être l'affaire Dreyfus. Alors, comme je vous l'avais dit, vous avez une très très bonne synthèse qui est faite dans l'émission Carambolage, hein, donc je vous avais mis le lien dans le cours. Et puis, vous avez des documents aussi dans le manuel, indiqué page 185. Donc, pour vous résumer l'affaire, donc je vous l'avais expliqué, hein, c'est une femme de ménage qui travaille dans l'ambassade allemande. À Paris, hein. Rappelez-vous le contexte, hein. Toujours la volonté de prendre notre revanche sur l'Allemagne après la défaite de 1870-71. Et cette femme de ménage, en fait, est une agente des services secrets français et elle est chargée de récupérer les documents allemands qui sont jetés à la poubelle pour pouvoir ensuite les dépouiller, voir s'il n'y a pas des informations intéressantes à attraper.
Et donc, dans cette poubelle, un jour, la femme de ménage ramène un message qui tend à prouver qu'il y aurait dans l'état-major français un officier français qui parlerait allemand et qui transmettrait à Berlin, donc à la capitale de l'Empire allemand, des informations sensibles sur l'armée française. Donc évidemment, il y a une chasse aux traîtres. Qui est l'objet de ces messages? Et très vite, l'armée trouve un coupable tout trouvé, qui est capitaine. Qui s'appelle Dreyfus et surtout qui est juif. Et il est d'origine alsacienne, il parle donc allemand. Et donc en 1894, alors qu'il n'y a quasiment pas de preuves contre lui, eh bien il est condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne et il est dégradé, c'est-à-dire que dans la cour des Invalides à Paris, hein, là où il y a le tombeau de Napoléon, juste à côté de la tour Eiffel, eh bien devant 2000 soldats, eh bien on l'humilie entre guillemets publiquement devant l'armée en le dégradant, c'est-à-dire on lui arrache ses galons et on lui brise son épée. Donc c'est un symbole pour lui signifier qu'il ne fait plus partie de l'armée. Et il est déporté au bagne de la Guyane, à l'île du Diable. Donc où il est tout seul sur son île, il est mis sous très haute surveillance. Sauf que le problème, c'est qu'en 1896, on découvre le véritable coupable, du moins des preuves accablent un véritable coupable qui serait un commandant qui s'appelle Esterhazy. Mais cette erreur judiciaire va être étouffée notamment par l'armée parce que l'armée refuse d'accepter qu'elle s'est trompée. Et il y a beaucoup aussi d'antisémites, hein, de gens qui sont contre les juifs au sein de l'armée. Donc l'armée maintient sa première version, c'est Dreyfus le coupable, et Esterhazy, lui, il sera un peu exfiltré, il va aller se réfugier en Angleterre, et il finira ses jours là-bas, si mes souvenirs sont bons, je crois même qu'il se suicide. Il y aura quand même un procès qui aura été mené contre Esterhazy, mais c'est un procès un peu truqué, et il y aura un commandant ou colonel français qui s'appelle Henri, qui va faire un faux pour innocenter Esterhazy et accuser de nouveau Dreyfus. Donc du coup, en 1898, Esterhazy est acquitté, et c'est à ce moment-là que Émile Zola va publier son célèbre J'accuse dans le journal L'Aurore qui appartenait à Georges Clemenceau. Donc vous voyez, on retrouve tous nos personnages. Et dans ce J'accuse, justement, eh bien, Émile Zola s'en prend aux généraux qui commandent l'armée, aux ministres de la guerre qui ont couvert en fait cette erreur judiciaire. Il s'en prend à tous ceux en fait qui ont condamné Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus vraiment passionne les Français, mais agite énormément les familles. Et je vous avais parlé de ce célèbre dessin de Carandache, où on voit un repas à table avec le père de famille en bout de table qui dit « surtout n'en parlons pas », sous-entendu de l'affaire Dreyfus, et le dessin d'en dessous, on voit que la table est complètement renversée, les gens sont en train de se battre dans tous les sens, se donnent des coups de pied, des coups de poing, alors qu'on est au sein d'une même famille, et la légende du dessin, c'est « ils en ont parlé ». Ça vous montre bien, ça vous résume bien l'état d'esprit des Français, la France se retrouve coupée en deux entre les Dreyfusards, ceux qui pensent que Dreyfus est innocent, et les anti-Dreyfusards qui pensent que Dreyfus est coupable. Donc grosso modo, la presse de gauche est plutôt Dreyfusarde, la presse d'extrême droite, la presse dite nationaliste, hein, est anti-Dreyfusarde. Et donc finalement, il y aura un nouveau procès en 1899, et il va être de nouveau condamné à 10 ans de réclusion, notre Alfred Dreyfus. Et à ce moment-là, devant vraiment l'absence de preuves, hein, il y avait un colonel qui s'appelait Picard, qui avait mené une contre-enquête et qui avait prouvé que l'armée avait menti, hein, et bien finalement, il va être gracié par le président de la République. Pas innocenté, juste gracié, c'est-à-dire que le président l'autorise à ne pas purger sa peine, et Dreyfus, au grand dam de ceux qui le soutenaient, va accepter parce qu'il est complètement affaibli, à bout de force, au bagne, et du coup, il rentre en France, et finalement, il faudra attendre 1906 pour qu'il soit officiellement réhabilité et réintégré à l'armée française. Donc pour lui, ça a été quand même 12 années extrêmement difficiles, et puis finalement, il combattra pendant la Première Guerre mondiale, il fera son devoir, comme tous les militaires, et il finira sa vie dans les années 20 en France. Mais par contre, cette affaire Dreyfus va profondément marquer
les opinions politiques en France dans la Troisième République. Et on dit souvent d'ailleurs que la chute de la Troisième République sera provoquée par, sera un peu vécue comme une revanche des anti-Dreyfusards, puisque dans le gouvernement qui va être mis en place par le maréchal Pétain en 1940, qui a succédé à la Troisième République, on trouvera bon nombre de personnages qui étaient très anti-Dreyfusards, Pétain en premier d'ailleurs, qui était anti-Dreyfusard, et tous ceux qui avaient soutenu Dreyfus, eh bien, se retrouveront souvent menacés, emprisonnés, vus comme des suspects, parce que vous savez bien qu'à ce moment-là, les Juifs en plus sont particulièrement mal vus. Donc, conséquence de cette affaire, eh bien, on a pu assister à l'engagement des intellectuels dans la vie politique en France, hein, mais on voit également la révélation d'un courant antisémite dans la société française, un courant antisémite qui est particulièrement fort, surtout à Paris et aussi en Algérie, où va être élu un personnage qui s'appelle Drumont. Et ce Drumont, c'est le créateur d'un journal qui s'appelle La Libre Parole, je vous l'avais montré, un journal qui est profondément antisémite. Vous voyez, ce type de journal aujourd'hui serait interdit, hein. On retrouve les caricatures habituelles du juif, hein. Le juif qui est comploteur, le juif qui a une allure de bourgeois, ils sont coiffés, pardon, de haute forme, symbole de la bourgeoisie, avec des grosses lèvres, un gros nez. Vous voyez vraiment la vision caricaturale du juif qui ne changera pas beaucoup de la vision caricaturale qu'en feront les nazis tout à la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça révèle un fort courant antisémite en France. Et ce courant antisémite va se confondre avec les milieux nationalistes, donc les mêmes milieux nationalistes qui avaient soutenu le général Boulanger. Et ces milieux très, très nationalistes sont particulièrement déterminés. Ils vouent un culte à l'armée. Hein. L'armée a une aura à l'époque extrêmement importante. Et l'armée ne peut pas se tromper. Donc même au prix de la condamnation d'un innocent, qui était Dreyfus, l'armée, pour beaucoup, ne peut pas se tromper, donc Dreyfus est coupable. Donc profitant un peu de ce contexte séditieux, révolutionnaire en quelque sorte, eh bien il y a un personnage qui est un penseur et un politicien d'extrême droite qui dirige une ligue, c'est-à-dire une sorte d'association, de parti non officiel qui réunit des militants d'extrême droite. Qui va tenter de faire un coup d'État, ce Paul Déroulède, mais il va échouer. Et le problème, c'est que ces mouvements, ces ligues sont particulièrement violents. Et on les retrouvera en 1934 lors d'une tentative de coup d'État en France le 6 février. Et dans ces milieux, on trouve également beaucoup de personnes qui soutiennent les courants monarchiques, tel l'écrivain, par exemple, Charles Maurras, un écrivain extrêmement célèbre à l'époque, qui sera parmi les fondateurs de l'Action française qu'on retrouvera encore une fois aux côtés du maréchal Pétain pendant l'État français de Vichy. Donc le gouvernement, lui, qui est dirigé par des Dreyfusards, des partisans de Dreyfus, voit l'influence justement des Dreyfusards augmenter, puisque finalement Dreyfus a été quand même gracié puis réhabilité. Au début, ça a été l'organisation d'un gouvernement de défense républicaine autour d'un républicain qui s'appelle Waldeck Rousseau, qui a été plusieurs fois président du Conseil et qui va rassembler des républicains modérés, des radicaux et des socialistes, dont Jean Jaurès, qui va rapprocher les socialistes de la République parlementaire. Du moins, Jean Jaurès n'en fera pas partie, mais il se rapproche de ce régime. Et l'arrivée des radicaux au pouvoir, qui viendra ensuite, va accentuer le combat vers un autre adversaire, qui est l'Église, et qui reste pour les républicains la principale menace contre leur régime, puisque l'Église, non seulement a soutenu le camp des anti-Dreyfusards pendant la campagne contre Alfred Dreyfus, notamment la presse catholique, mais aussi l'Église est traditionnellement pro-monarchiste et donc a tendance plutôt à soutenir les candidats qui veulent le retour soit des Bourbons, soit le retour de la famille d'Orléans, soit le retour d'un empereur. Donc la République se méfie énormément de l'immixtion des catholiques dans la politique, ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire le fait que les autorités catholiques veulent intervenir dans la vie politique. Et l'anticléricalisme, eh bien, il va déboucher
sur la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905, ce que nous allons voir bientôt.